Abonnez-vous Kensia Officiel. L'intelligence est une qualité très importante pour réussir. Et c'est important d'en avoir. Mais il existe des gens intelligents qui n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie. Sachez bien ce qui compte, c'est d'être affamé, la faim qui n'a pas de fin. La faim d'apprendre sans cesse. La faim d'accroître. La faim de servir et d'apporter plus des valeurs aux autres. La faim d'accomplir des grandes choses. La plupart des gens veulent juste gagner une certaine somme d'argent et quand c'est fait, ils se ramollissent. Il n'y a rien de mal à ça, mais réussir ne se résume pas à l'argent ou à faire du business, le but c'est la croissance personnelle. Car soit tu évolues, soit tu disparais. Les gens demandent toujours ce qu'il faut pour être heureux, moi je dis, il faut progresser. Le progrès entraîne le bonheur. Car atteindre un objectif te fait sentir bien pendant combien de temps? Une semaine, un mois, trois mois après, le sentiment s'évapore. Pourquoi? Parce que tu es conçu pour progresser. Et si tu comprends que réussir c'est vivre la vie de son choix et qu'aussi cette vie doit avoir un sens profond, une vie où tu t'investis dans une cause qui compte plus que toi, l'avenir de tes enfants, d'une communauté. On ne peut pas être comblé à moins de progresser et de servir les autres. Ce n'est pas facile mais ça vaut le coup. On est avec cette envie de progresser mais malheureusement très tôt dans notre vie on subit des déceptions, et on commence à blâmer des choses en dehors de nous, mais si tu veux pas trouver en toi cette envie de progresser, si tu ne peux pas trouver en toi une mission qui ne concerne ce pas que toi, alors au lieu de ramer pour être motivé, ça se fera naturellement. Si ce qui t'anime est beaucoup plus fort de servir les autres que de te servir toi-même, alors tu deviens INARRETABLE, Tony Robbins. À ce stade de ta vie, ce que je te souhaite c'est de rester affamé et de rester déraisonnable, Steve Jobs.